foulard à terre avec la petite talonnade. Et golazo! Petit peu de côté, Braithwaite, la frappe et le but! But de. Yo les gars, c'est Spayrit, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme. Écoutez, moi j'ai vraiment la patate et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 9 de Koh-Lanta. Après une très longue inactivité, on se retrouve pour l'épisode 9. Juste avant, je tenais à vous informer que c'est Jiloboji qui a été éliminé avec 56 votes contre lui. Et donc voilà, Jiloboji est éliminé, il nous reste 3 joueurs, il s'agit donc de la demi-finale. Celui qui emportera le titre d'immunité remportera sa place en finale, sera assuré d'atteindre la finale. Après ça sera à vous de départager en ce qui concerne les deux autres survivants et on verra qui ira en finale. Et donc voilà, en ce qui concerne l'équipe, je vais vous montrer que j'ai fait quelques changements. J'ai acheté du lourd. Non, si je mets Bundesliga ça va pas le faire. J'ai acheté du très très lourd pour les derniers épisodes. Donc voilà, Jiloboji, non. J'ai choisi de prendre David Luiz, bon j'ai pas pris Thiago Silva parce que j'avais les crédits pour, mais j'avais pas envie de dépenser autant. Bedimo van der Vive, ça reste vraiment la base de cette série. Milieu défensif, Doumbia, je pense que vous le connaissez parce que Rooney en parle beaucoup, si vous suivez Rooney. Sinon un milieu défensif vraiment très très complet que j'ai jamais testé, que j'ai envie de tester. À droite Matuidi. Milieu droit, Benjamin Mukanjo, le joueur du stade de Reims qui est vraiment très très fort. Et à gauche, Ezekiel l'avait dit. Donc voilà l'équipe. Et on va partir directement sur le match. Donc voilà, on a trouvé un adversaire. On va directement découvrir son équipe. S'il y a eu un petit écho en début de vidéo, je tenais à m'excuser parce que j'avais mis le son de ma télé très fort. C'est peut-être entendu dans le micro. Donc voilà. Là, c'est bon. J'ai baissé le son. On va découvrir son équipe. Une équipe de France. Avec en attaque Lacazette, Rémy. Ça court très vite. Cabella, Valbuena, Matuidi, Cabaye. Donc voilà, une très belle équipe de France. En défense, c'est solide aussi avec Mangala et Koscielny. On va voir ce qu'on peut faire. Hugo Lloris au cage, franchement c'est du très très solide. Donc voilà, je ne fais pas de condensé, pourquoi? Tout simplement parce que vous ne pourriez pas voir la prestation de chaque joueur. Peut-être pour la finale j'en ferai un, mais je ne pense sincèrement pas. Parce que toute la série n'a pas été en condensé, donc je vois pas pourquoi je ferai un condensé pour la finale. Et voilà, donc j'ai 2-3 trucs à vous dire. L'objectif, comme d'habitude, ça reste de marquer le plus tôt possible dans le match. Comme ça, je serai un petit peu plus libre au niveau du commentary. Et ça commence bien avec Lacazette qui va peut-être pouvoir passer. Doumbia pour Moutinho. Moutinho pour Matuidi qui cherche Lacazette. Lacazette, la fin, frappe de Lacazette. Oh, sur la barre transversale. Ça commence fort. Ça commence fort ce retour sur YouTube. Et le retour de la série Koh-Lanta après un mois d'inactivité. Donc pourquoi j'ai été inactif? Je vais vous expliquer tout simplement parce que déjà j'avais quelques soucis IRL, bon rien de grave mais quelques problèmes quoi, en ce qui concerne ma famille etc. Et ensuite, parce que je n'avais plus d'affaires médias en fait, le mien était totalement bugué, il y avait un match sur 3 qui buguait donc c'était pas possible de vous faire une vidéo. Donc voilà, là j'ai réinvesti sur du matériel, notamment un micro, normalement la qualité audio de ma voix est améliorée. J'ai aussi investi sur un AverMedia, donc c'est un live game capture portable, un truc comme ça. Vraiment c'est du bon matos pour vous faire de la qualité, normalement là les vidéos seront vraiment de qualité. Parce que c'est vrai qu'avant la qualité d'image on me reprochait souvent qu'elle était pas très très bonne. Là les gars j'ai investi sur du lourd et je pense que ça va vous plaire. Donc voilà en ce qui concerne ma période d'inactivité. Je vais regarder sur mon bloc-notes, j'ai mis ce que je voulais vous dire, les points que je voulais aborder dans cette vidéo. Je vais juste essayer d'aller marquer avant. Non on perd ce ballon, pour Loïc Rémy qui va pouvoir partir en contre-attaque. Abdenour, au physique, il se fait prendre par Lacazette. Bien joué Vanderville. Donc Anjo, voilà, en touche. C'est pas bien grave, je vais prendre mon bloc-notes. Donc, qu'est-ce que je voulais vous parler? Oui, c'est vrai, les 500 abonnés. Putain les gars, on est 500 abonnés sur la chaîne avec 10 000 vues. Franchement, ça fait vraiment, vraiment plaisir. C'est vraiment un truc énorme. Et bah voilà, même si j'étais inactif, j'ai quand même gagné une trentaine d'abonnés. Donc c'est vraiment un truc de malade. Ça prouve que ma chaîne, elle tourne même quand il n'y a pas d'activité dessus.
Et franchement, bah, j'espère que ça va toujours aussi, toujours autant monter. C'est pas très français ça. J'espère que ça va continuer à monter avec le retour des vidéos, le retour de vidéos avec une meilleure qualité audio et visuelle. Et j'espère que on va continuer notre ascension sur YouTube. En tout cas, merci vraiment à tous. Pour vous remercier, bah voilà, j'essaye d'améliorer la qualité de mes vidéos. Je pense vous faire de nouvelles séries. Déjà à la fin de Koh-Lanta, je vais faire une série qui risque de vous plaire. Je vous en dis pas plus, même si certains le savent, mais je pense que ça peut vraiment vous plaire. Une série assez originale, hein. Le but de ma chaîne, c'est vraiment d'être original, de se démarquer des autres youtubeurs. Après, soit ça plaît pas, mais c'est vrai que... Voilà, je vais pas faire comme les autres youtubeurs à faire plein de pack opening, des road to the one. Voilà, vous pouvez retrouver ça sur plein d'autres chaînes. Et moi, j'essaye vraiment de me démarquer en vous proposant des séries originales. Mukanjo qui est parti, frappe de Mukanjo. Et voilà le but de Benjamin Mukanjo. Le joueur argent qui marque. Ça fait plaisir, Benjamin Mukanjo, joueur du Stade de Reims. 22e minute de jeu, but de Mukanjo. Voilà, franchement, ça fait plaisir. Aussi, je vous avais pas dit, je suis passé sur One. Voilà, à Noël, j'ai eu la One, donc je n'ai plus ma 360. Donc normalement, ça fera encore de la meilleure qualité. Et bah voilà, franchement, la One, c'est vraiment du très très lourd. En plus, c'est un investissement qui, sur la durée, hein, parce que la One, je vais la garder quoi, 5-6 ans. Donc voilà, je regrette vraiment pas cet achat. Enfin, cet achat, je l'ai eu à Noël, c'est plutôt ma famille qui me l'a acheté, franchement. Voilà, il y a vraiment une réelle différence avec la 360. Si vous hésitez, bah les gars, prenez la One. Franchement, la One, c'est au-dessus de la 3-6. Clairement. Attention à Loïc Rémy qui est parti dans la profondeur. Abdennour qui s'est fait prendre. Loïc Rémy qui va s'excentrer. Il y a un très bel arrêt de Sirigu. Donc voilà, allez, corner. Oh, il va la jouer à deux. Ouais, c'était sûr. Avec Loïc Rémy le centre. Faut apprendre de la tête. Voilà, excellent. Bien joué à défense. Mukanjo qui perd ce ballon dans la surface de réparation. Petite feinte et il la récupère. On va taper devant. On va taper devant. Oh, ça lui revient dans la gueule à Valbuena. La frappe et il y a un bel arrêt de Salvatore Sirigu. On va pouvoir relancer avec Lavezzi. Donc ouais, en fait, je vous ai pas dit, parce que ça fait longtemps que je vous ai pas parlé. Je ne suis plus sur Fan de Fut. J'ai été viré, pourquoi? Pour manque d'activité, pardon. Et comme quoi, j'utilisais la popularité de la page, pardon. Ouais, bah après, c'est sa décision, donc je vais rien dire. Après, Fan de Fut, moi, je respecte vraiment, c'est vraiment de très bonnes personnes, de très bons admins. Et voilà, c'est pas pour ça que je vais tomber en embrouille, pas parce que j'ai été viré. J'espère que je vais garder contact avec eux. En fait, ce qui m'a fait le plus chier, c'est pas de quitter la page, mais c'est de quitter la conversation des admins. Donc voilà, après, c'est voilà, c'est une page qui se tourne sans jeu de mots. Et bah voilà, hein, c'était la plus grosse page Facebook, j'étais dessus, maintenant j'y suis plus, c'est pas un souci. Hein. Ça reste du virtuel. Et puis comme ça, je peux me concentrer sur ma chaîne. Puis également, je suis rentré sur une autre page. Donc cette page, c'est UrFut, c'est une page avec un énorme potentiel. Elle a que 5000 likes, mais les gars, c'est... L'activité est vraiment folle. Il y a vraiment des jeux, plein de jeux, il y a des actualités. Franchement, c'est une page très très professionnelle et je suis vraiment content d'être rentré sur cette page. Pourtant, j'avais des offres sur des pages à 10 000 K, non, ça se dit pas ça. 10 000 likes, plutôt. Et tout, mais j'ai préféré rentrer sur UrFut parce que bah c'est là déjà où il y a la meilleure, comment dire, la meilleure team d'admin. Parce qu'il y a Vero, il y a Amnesia, voilà, c'est du lourd. Vero qui a atteint ses 300 abonnés d'ailleurs, dédicace à toi mon gars. Et donc voilà, franchement je suis très content d'être sur UrFut, n'hésitez pas à aller liker, le lien sera dans la description. Et le but, but de la casette. Voilà, c'était serré, ça poussait, et bah voilà, je casse. Hein. Centre à terre, la casette qui est venue couper, David Luiz n'a pas suivi, et ça fait un partout. Bon c'est pas grave, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose dans ce match, on n'est pas si dominé que ça. Allez, Bedimo. Bedimo pour la casette. La casette qui cherche Moutinho. Moutinho qui va enchaîner. Bel arrêt du gardien. Donc voilà, pendant que je n'avais pas d'Aver Media, j'ai fait quelques lives également. Bon, des lives un peu nuls, mais il y avait pas mal de personnes, donc ça fait plaisir. J'en ai fait un, notamment à Noël. Et voilà, ça avait pas mal plu. Bon, j'avoue que la qualité, c'était pas comme les vidéos, hein. C'était vraiment un peu à l'arrache. Mais bon, c'était sympa également, et je pense en refaire. Attention, attention à Rémi, on sait qui court vite. Allez, Doumbia à l'épaule, Voilà, excellent Doumbia. Très bon travail défensif. Kabela. Pour Kabaï, la frappe de Kabaï. Ça passe juste au-dessus de la barre. C'était tendu, et c'est la mi-temps. Sur ce score de 1 partout.
Donc on voit qu'au niveau des stats, c'est vraiment très très serré, excepté la possession où je suis au-dessus. Mais voilà, on voit que c'était le score est logique. On va essayer de débloquer la situation en deuxième période. Allez, la casette qui perd ce ballon. Faut que je m'applique, hein. Faut que j'essaye de me concentrer un peu. Moutinho. Devant avec la casette. La casette qui cherche Matuidi pour Moukanjo sur le côté. Qui va remettre à Matuidi, c'est bien fait. Remets à Moukanjo, remets à Moukanjo. À Moukanjo. Ah là là, la passe pas assez appuyée. David Luiz, voilà, excellent. Ah, malheureusement, ça revient dans les pieds de Cabaye qui a marqué face à l'Inter de Milan. Victoire du Paris Saint-Germain, hein, à préciser. Moutinho, ça va vraiment mal à Milan. Je sais qu'à Paris, ça va pas super bien. Mais... Parce que le Paris Saint-Germain avait aligné Chantôme, je crois. Orguier en défense centrale. Franchement, c'était pas une très très grosse équipe du Paris Saint-Germain. Et à l'Inter de Milan qui s'est incliné. Mais après, ça restait un match amical. Hein. La frappe! Ou sur le. Dans les bras du gardien. Il la repousse. La tête, peut-être encore. Cafouillage, il y a peut-être une petite faute non signalée par l'arbitre. On va pouvoir se relancer avec David Luiz pour Bedimo. La casette. Enfin, dommage. Dommage la casette. On va essayer de la récupérer. Donc voilà, excusez-moi si j'ai un petit peu de mal au niveau du commentaire, c'est la reprise. Hein. Ça fait très longtemps que j'ai pas commenté. Et voilà, faut que je me remette dedans. Attention, attention, qui c'est qui part, c'est la casette. Heureusement, il y a un très très bon retour de David Luiz. Dumbia. Qui cherche Matuidi latéralement. Matuidi. Pour Moutinho. Allez, Bedimo. Allez, cherche une solution avec Lavezzi. Lavezzi qui revient derrière. Qui revient derrière. Oh, c'est bien fait. C'est très bien fait, ça. On va revenir derrière tranquillement. On va essayer de construire. Moutinho pour Dumbia. Dumbia, faudrait que tu partes. Faudrait que tu partes. Oh, la passe est magnifique. Pour Vanderville. Vanderville, le centre fort. On va obtenir un corner. C'est bien fait. La passe de Dumbia était magnifique. Le débordement de Vanderville qui était monté aux avant-postes. On récolte un corner tiré par Juan Moutinho. Le corner dans les bras du Goloris. Pour ceux qui ne connaissent pas la série, au fait, j'ai oublié d'en parler. Les règles sont expliquées dans la description. Ou alors, sinon, vous allez juste aller voir le premier épisode. Tout est expliqué. Je pense qu'elle peut vous plaire. Allez, Dumbia. Bedimo. Parce que là, vous devez pas comprendre grand chose. Allez voir la première vidéo et vous comprendrez. Vous verrez, c'est pas très compliqué à comprendre, mais bon. Faut regarder la première vidéo, tout simplement. Koscielny pour Matuidi. Allez, c'est serré. Rémi qui fait passer au-dessus pour la casette qui est passée. Allez, David Luiz. David Luiz qui se trouve, et voilà, but de la casette. Aïe, 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 aïe. Ça sent la défaite. On va pas désespérer, mais bon, la casette, là, le petit plat du pied qui était parti seul, qui fait mal. Il fait très mal, la casette. Que ce soit dans mon équipe ou dans l'équipe adverse. Est vraiment hyper fort. Balbuena sur le côté. Balbuena, la passe de gitan. Ouf, j'appelle ça une passe de gitan. Enfin, on appelle ça avec mes potes. C'est en gros, c'est la petite passe PES, bien sale. Allez, Moukanjo, la vitesse. Faut faire parler à la vitesse. Moukanjo qui va dribbler. Ah, qui perd ce ballon. Qui perd ce ballon. J'aurais pas dû la perdre là. Voilà, il y a une très bonne défense. La casette qui va chercher Moukanjo. Vitesse, vitesse, mon grand. Vas-y, voilà, c'est bien fait, c'est bien fait. Tu l'as vu en bas, la passe est pas appuyée, la passe est pas appuyée. Allez, Abdenour présent. Excellent le physique, Abdenour, tu fais plaisir. Ouais, position de hors-jeu signalée. Ça continue à jouer, oh non. Vous pouvez laisser action. Matuidi, allez, Moukanjo. Moutinho, allez, faut y aller les gars. Faut aller marquer si on veut gagner ce match. Moutinho cherche une solution. Se trouve la casette. La casette, le petit dribble. Le petit dribble de la casette. Qui a toujours ce ballon. Non, il le perd. Il le perd. On a du mal. On a extrêmement de mal devant à trouver les solutions, les décalages. Et bah, ça se ressent au score, hein, 2-1. On avait dit, t'as vu. Hors jeu de la casette. Et oui. Erreur de placement. Et ça a commencé à coûter cher parce que ça fait 2-1 à la 75e et on n'arrive pas à marquer. Je crois qu'en plus j'ai fait la coupe, la nouvelle coupe là pour gagner un pack or. Donc si on peut aller en prolongation, bah pourquoi pas, hein, écoutez. Ça fera plus de vidéos. Oh, la passe pour la casette qui tire à côté. Oh, c'est tendu. Oh, il y avait hors-jeu.
malheureusement. Et je bois beaucoup parce que j'ai la gorge assez sèche. Voilà, tout simplement. Doumbia. Moutinho qui cherche la casette. La casette, le petit dribble. La casette qui va essayer de skiller. Oh non, j'arrive pas à passer. J'arrive pas à passer en dribble. Il défend vraiment bien. Faut que j'essaye de trouver des décalages. Et David Luiz. Présent au physique. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, d'accord. Mais si tu veux, écoute. Ouais, je vais tranquillement devant. C'était risqué. Moutinho. Matuidi. Allez. Moutinho. Moutinho qui va essayer de prendre la vitesse. Qui se fait prendre. Allez, au physique. Voilà, la hargne. Malheureusement, il récupère pas ce ballon. Mais ça part en contre-attaque. Encore une position de hors-jeu. Ça commence à faire beaucoup. Mais bon, on va pas s'en plaindre. Hein. Ça nous permet de récupérer le ballon. Tu l'as vu. Tu l'as vu, Axe. Avec Doumbia. Doumbia qui va essayer de chercher une solution. Qui va revenir derrière avec Moutinho. Moutinho pour la casette. Ah, qui essaye de passer en dribble. Mais non, ça ne passe pas. Et ouais, c'est compliqué, hein. C'est vraiment compliqué. Surtout qu'en contre-attaque, il va vraiment très vite. Bedimo. Allez, Moutinho. On va essayer de chercher une solution. Remets derrière. Voilà, bien fait, bien fait, bien fait ça. Allez, oui, la casette. Oh, qui est trop court. Il est trop court. Allez, Doumbia, tranquillement. Doumbia, la petite feinte. La Bedi. La casette. La casette qui est passée. La casette qui est passée, qui ne passe pas sur le dernier dribble. Et Rémi qui va partir en contre-attaque. Allez, Abdenour, vends-moi du rêve. Vends-moi du rêve. Oh là là, il va aller dans le coin. Il va aller dans le coin, c'était sûr. C'était sûr, il va gagner du temps. Le centre, faut la prendre de la tête, voilà. Allez, peut-être une dernière avec la casette. Pour Moukanjo. Moukanjo, la vitesse. Moukanjo. Moukanjo qui perd ce ballon. C'est tendu. On l'a. Oh non, on la perd. On la perd directement. Et il va pas se faire prier. Voilà, il va gagner du temps. Il va déborder. Il va aller dans le coin. Et il a le compte favorable en plus. Allez, peut-être une dernière occasion. Moutinho. Moutinho qui va essayer de monter. Moutinho. Bien fait ça. Bien fait ça. Faut partir. Faut partir. Ouais, mais c'est fini. La défaite. Bah c'est pas grave, c'est pas grave, on s'est bien défendu 2-1. C'est dommage quand même parce que je pense qu'on aurait pu aller marquer des buts. Malheureusement on a manqué vraiment de réalisme face au but et on a du mal à percer sa défense. Ça fait 2-1 et on perd ce match. Bon bah tant pis. Tant pis, but de Moukanjo, doublé de la casette chez lui. Ouais. Premier épisode sur la Xbox One, une défaite. C'est pas bien grave, écoutez. Et donc qui est-ce qui est homme du match? C'est la casette comme d'habitude avec 7,8 de notes. Et donc la casette qui est immunisée pour le prochain vote et qui donc remporte sa place en finale. Mais contre qui? A vous de décider, vous avez le choix entre Moutinho ou Abdenour. Vous votez à travers le lien, le sondage Pixul qui sera dans la description. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. Ciao tout le monde. I've been praying hard. Said no more counting dollars, we'll be counting stars. Yeah, we'll be counting. Oh putain les gars, j'ouvre un pack. Juste pour finir, j'allais arrêter de jouer. J'ouvre un pack à 15 000. Et qui c'est que je tape? Manuel Neuer les gars. Oh putain, pourquoi j'ai arrêté de filmer? C'est énorme.